Marius. Bonjour, docteur. Puis-je entrer? L'ophtalmologue. Oui, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius. Merci. Je suis venu vous consulter parce que depuis quelque temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue. Dites-moi votre âge et votre nom. Marius. Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue. Êtes-vous allé chez l'ophtalmologue jusqu'à présent? Marius. Non, c'est pour la première fois. L'ophtalmologue. Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius. Bien sûr. Que dois-je faire? L'ophtalmologue. Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius. A, B, F, H, 5, 8, 9. L'ophtalmologue. C'est très bien jusqu'ici. Maintenant, fermez l'œil gauche et lisez avec le droit le deuxième tableau, s'il vous plaît. Marius. 5, 6, 9, G. L'ophtalmologue. Vous êtes sûr? Marius. Pas trop sûr, je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue. Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec le gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius. 6, 9, je ne vois plus, ce serait en deux peut-être? L'ophtalmologue. Ça suffit, merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5 dioptrie pour les deux yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius. Je vous remercie, docteur, et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue. À vous aussi.